Et bonjour à tous, je suis Arlus et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2, épisode 2, donc qui va se concentrer sur la suite du jeu, de cette petite quête retrouver un animal, mais aussi parce que la dernière fois je m'étais donné de la soluce et il se trouve que normalement à cette période du jeu, à ce moment du jeu, nous devons être avec notre héros principal et Beau niveau 5, sauf que notre chère version française n'a pas prévu ça. Et nous devons donc tout farmer. À l'heure actuelle, je suis niveau 3. Niveau 3, s'il te plaît. Je suis niveau 3. Je vais farmer dans d'autres endroits pour avoir un peu plus d'XP que ce qu'on me propose actuellement. Parce que non seulement les ennemis, je les finis assez facilement. Et ils m'enlèvent quasiment aucun dommage. Donc ce qui va se passer, c'est que, encore une fois dans cet épisode, je le rappelle, c'est des sessions de 50 minutes, 1 heure, qui seront condensées, donc coupées pour les combats, les moments un peu chiants de farm, etc. Ce sera donc condensé, et nous verrons bien... Ah, attendez, la chasse, tout un art. Que je me rappelle, c'est le bouton Y, je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Ok. Et un. Ne pas bouger. Et deux. Et il s'est barré. Je vais y arriver. J'aurais dû bouger. Attention. La chasse à les gagner de cendrée. Je touche. Il s'est barré. Fais chier, j'arrive pas. Tant pis. Donc du coup, tous les moments chance seront accélérés. Je me remets seul. Et je vais fermer dans cette petite partie juste là. Juste là. Je vais juste faire des allers-retours ici pour farmer. Voir un petit peu les ennemis. Avoir un petit peu plus d'XP. Et vous l'aurez compris. Ensuite on ira dans la caverne. Et on continuera. Je pense que j'ai tout dit. Du coup, bien évidemment, si je ne décède pas, ce serait un peu ballot. Et tous les moments où j'achèterai des trucs, eh bien, ça sera montré. Voilà. Sur ce, on y va tranquillement pour cette première partie de farm. Bon, du coup, je vais retenter au niveau 4. Alors, je crois que si je rentre là, je vais le bloquer. Il y a un moment où si je rentre, je sais que je vais être bloqué. Ah bah parfait. C'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. C'est-à-dire que là, les fontaines, ce que j'appelle les fontaines, en gros, c'est des soins gratos. Ça restaure PVPM. Et donc, ça me permet de faire du farm ici. De manière quasiment infinie. Bon, pour le moment, de ce qu'on a vu, ça va être surtout des sangsues, comme vous le voyez actuellement. Mais aussi des espèces de petits farfadets. Mais à certains moments, il y aura des ennemis un poil plus puissants. Je vais oublier leur nom, mais ils vont arriver. Peut-être que si on en croise. Voilà, les fameux cadavres. Cadavres qui ont cette particularité d'empoisonner les alliés. Donc, comme vous le voyez, première fois que je rencontre, je ne connais pas. Ah oui, et là ce que vous avez vu, c'est une riposte. Il y a un pourcentage que un héros, lorsqu'il se fait attaquer, riposte. C'est, alors, je sais pas en fonction de quoi c'est défini. Ah là, déjà, 20 d'XP, moi j'accepte. 20 d'XP, moi j'accepte. C'est beaucoup plus que ce que je voulais. Mais du coup, voilà, la riposte, les nouveaux ennemis, peut-être d'autres, non, que des cadavres. Bien, et ben on va être reparti, je pense, pour allez, 4 à 5 minutes de farm. Et je vous retrouve évidemment quand je suis niveau, on va dire 5 ou 6. De toute façon, là, ça va aller un poil plus vite. Alors. Là, je peux m'acheter un casque, enfin un bouclier plutôt. Je vais en prendre un. Que je vais équiper sur 26 de défense et 25.
Ouais, que je vais équiper sur Ryu quand même. Du coup, je peux revendre. Voilà, mais il compte. Allez, j'aimerais revendre de la merde. Vente, 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 bracelet. Et ce que je vais faire, c'est acheter des herbes aussi. Acheter de l'herbe, un max d'herbe. Acheter. Ce quoi ce que j'ai. Non, juste de l'herbe. Donc. Voilà. Et je vais les ranger parce que oui, je vais tout ranger. Ah non, d'accord, je. Ah voilà, mettre en ordre. Parfait. Du coup, j'ai tout niveau 5 et Poch niveau 6. Je confonds Bo et Poch, je ne m'en rends compte. Et donc, je vais te raconter mon voyage pour faire une petite sauvegarde. Et on va tenter de faire le petit donjon. C'est possible. J'aimerais beaucoup. Donc on y va. Alors, première rencontre. Bon. À part les veuves noires, y a pas grand chose qui m'impressionne. Donc comme vous le voyez, c'est Ryu qui attaque, qui a donc le rôle de tank. Et Butch a le rôle plutôt de assist, attaque à distance et magicien. Donc Butch sera un élément assez important. Et c'est pour ça que je mets toute la défense, tous mes éléments de défense sur Ryu. C'est comme ça que le jeu veut que je fasse, je pense. Alors c'est comme ça qu'on va faire. Si on veut au moins survivre. Ce qui serait pas mal. Voilà. Avancer tranquillement. Ah, attaque surprise, parfait, tranquille, tranquille. Beaucoup d'attaques surprises dans cette partie, j'avoue que la RNG est plutôt clémente. Ce qui est assez rare quand même. Et les phases de farm ont permis non seulement d'XP mais en plus d'avoir de la thune. Sachant que l'arbalète et l'épée bronze du shop. Il me semble que l'épée bronze, on peut la choper, si je ne dis pas de bêtises, dans un coffre, je ne sais plus où. Je vais me faire défoncer par tout le monde. Et l'arbalète, par contre, il faut l'acheter. Mais je pense que je vais déjà prendre l'épée. J'ai donné un coup dans le micro. Super. Bon, avant de sortir, soigner Ryu. Je vais le soigner avec une herbe. Et non, c'est bon, le poison ne m'a pas affecté. Le poison ne m'a pas affecté, tant mieux. Hop, on se met juste les zut. La bonne nouvelle maintenant, c'est que j'attaque avant tout le monde, pour la plupart des ennemis. Alors, là, je vais vraiment utiliser le sort sans plus. Voilà. Ah oui, alors, je voulais pas montrer, mais durant le farm, j'ai appris défense plus, qui augmente la défense de tout le monde, évidemment, à utiliser durant le combat de boss, qui va être maintenant, du coup, dialogue. Et quelle bonne, c'est excellent. Ah, j'en ai marre des chiens et des chats. Oula, la manette. Ah, et c'est là. Bien, je dois y aller. 3, 2, 1, et parti. Et voilà, le combat. C'est ce combat-là qui est... c'est le premier combat de boss, entre guillemets. Du coup, Ryu va attaquer.
Alors, les noms n'ont aucune incidence. Je crois qu'il n'y a pas de sort particulier. C'est juste l'attaque qui est extrêmement énervant. Et je vais améliorer la défense sur Ryu. J'apprendrai le meilleur. Pas juste, il est pour moi. Je vais faire la même voix. Non, petit veut celui-ci. Ouais, j'ai esquivé. Donc j'attaque Palo. Je me fais un défense plus sur moi-même. Histoire de pas crever, parce que j'ai le moins de vie. Je vous le rappelle. Et on va attaquer. Non, j'ai pas de sort d'attaque. Du coup, tous sur... mange l'autre, les filles. La traduction... Ah voilà, elles s'attaquent entre eux, c'est vrai. Qu'a fait-tu, imbécile ? J'ai oublié que c'était ça aussi qui se passe. Stop, sœurette ! Voilà. Alors, c'est le combat un peu de boss nul et un peu débile. Il faut tout manger. Ah, c'est un tour ça m'attaque, un tour ça s'attaque. C'est vrai. C'est un peu con, quand même, comme stratégie. Eh, mangeons les gamins. On va tout utiliser un soin, à moins que ce soit bon. Ah, c'est long. Il est long, ce combat. Ouais, dis donc. Ah, voilà, c'est... Ah non, c'était juste un tour où ça s'attaque. La riposte. La riposte est bienvenue. Parfait. Riposte sur petit. Et j'attaque flèche parce que j'ai décidé. C'était mon attaque de départ. Alors du coup, je peux faire un cri qui ne sert à rien. Et là, je pouvais viser. Mais je vais plutôt utiliser le soin sur Ryu. Parce que il m'attaque Ryu là en fait. Alors la question, est-ce que l'ennemi peut faire des ripostes? Dans le 1, il me semble que je n'en ai jamais vu. Merde, j'ai fait auto, mais quel sac. Ah, excuse. Annule l'attaque automatique. Annule l'attaque. Ah bah c'est bon. 300 XP de 27 ennemis. Voilà, niveau 6, niveau 7. Parfait, tout va bien. Is ok, comme dirait l'autre. Se pourrait-il que cette Suzy ait été mangée par ces trucs? J'ai oublié la voix que je lui ai fait. Allez, j'espère que non. Nous devrions mieux nous dépêcher et de la trouver. Alors, le Kiyo, je sais qu'il sert à un moment. Mais alors, à quoi? Bonne question. Je ne sais plus. Lol. MDR. Top délire, méga groove. Voilà, pour ce combat, au moins être niveau, je dirais niveau 4 ou 5, et avoir au moins défense plus. Parce que Ryu prend super cher dans ses dents. Ce qui devait servir à quelque chose. Là, il n'y a rien. Je crois qu'il y a un autre combat de boss par là. Oh non, fuite. J'ai raté la fuite, c'est trop génial. Mais j'aime pas ces ennemis. J'aime vraiment pas cet ennemi. Ah bah riposte. Bon bah riposte hein. Bon bah voilà, c'est ça fuit tout seul. Voilà, parfait. Je pense que dès qu'on en tue un, tout le monde se barre. Ah voilà, c'est ça. C'est à ce niveau-là que ça va commencer à être un peu énervant. Je pense que nous pouvons bouger ceci. Voilà, je le bouge et... Oh bah dis donc. Et là c'est un garde. Ah non. Voilà, la petite animation, ma foi, fort drôle. Ça, c'est une grande responsabilité. Mais je l'assumerai. Voilà. Et donc, nous sommes partis pour, je crois, un autre boss. Et j'ai complètement oublié ce boss là. Mais les ennemis ne changent pas. Ça, sûr et certain. Oui, j'ai un XP, trop bien. Trop bien. Ah oui, je peux absolument pas courir. Je me souviens plus de cet endroit, c'est chaud. Je suis certain qu'il y a un coffre. Mais alors, où est-il?
toute façon, je vais avoir les vieilles habitudes de « Hey !» Je vais chercher partout. Je vais avoir cette habitude-là. Même si chercher tout dans Breath of Fire, c'est la mort assurée. Est-ce que c'est là qu'il y a un... Oh, je sais plus. Oh, je suis perdu, au secours. Oh, au secours, je suis perdu, aidez-moi. Ah voilà, il y a un coffre. Je le savais. J'ai toujours su. Personne n'a douté. Du coup, il y a un coffre en haut, il me semble. Enfin... Est-ce que si je fais attaque surprise, ouais, je peux fuir. Une roche-feu. Ah oui, les fameux objets en combat. Très utile, mais... Pour les gros gros boss. Paf, coup fort, coup critique. C'est fait, bonjour, au revoir. Ah, un drop, un antidote. Ça doit être le premier drop que je fais en jeu. Et c'est plutôt cool. Merci donc. Attaque surprise. Fuite. L'aile. Bon, là, il y a un coffre. Sûr et certain qu'il y a un coffre. Obligé. On peut fuir quand même? Non. Ah, j'aurais pas dû. J'aurais tellement pas dû faire ça. Peut-être me soigner avec une herbe. Ouais. Soigner avec une herbe. Vite. Objet, herbe, rayon. Ah, je le savais. Je le savais. Logique. Et là, j'ai obtenu une calotte. Sauf que j'ai déjà acheté des calottes. Mais ça, on peut pas le savoir. Non, fuite. Donc du coup, il faut descendre. Bon, c'est acheter, acheter des fumigènes pour avoir moins de combats ennuyants. Oui, de la thune et de l'XP. Trop bien. Donc là, je suis en mode droite pour continuer. Paf, petite esquive. Droite, gauche, jeu de jambes. Petit coup critique. Easy, mon gars. Alors, on descend, descend. On aura bientôt pouvoir sortir, n'est-ce pas? Bon, là, c'est gratuit, c'est l'XP donné. Oh, la riposte, tellement beau la riposte. Ah, je dois tomber dans le trou. C'est vrai. Et là, il y a un mec random. Mon nom est Azusa, je suis un chasseur. Je chassais un animal et je me suis retrouvé ici. Et voilà, c'est tout en fait. C'est tout ce qu'on sait. Attaque surprise, bah je me casse. Qu'est-ce que c'est ? L'aile, MDR.
Ah, je suis sorti. Là, je reconnais. Et je sors par là. Il me semble que c'est par là que je dois sortir. Et je vais me retrouver de l'autre côté de la montagne. Yes. Et alors après, je crois que c'est là. Ouais. Wow, oh, allez. Et qu'est-ce que c'est? Et ça vient de l'intérieur. Ouais. Alors attends. J'en fais juste. Oui, là il y a un combat de boss aussi. Mais genre, alors il est moins compliqué, mais dans le jeu, je sais qu'il y en a un. Donc tac, tac. Hop là. Petite sauvegarde. Allez-vous me raconter votre histoire? Oui. Ok, je l'ai enregistré. Allez-vous continuer? Oui. Moment doublage, je crois. À l'aide! Des cafards! Oh non, je dois l'aider! Parce que je. Voilà, alors. De là, là on dirait. Oh là, il y a des petits cafards! Non. Sauf que. Matt, la taille des cafards. Breath of Fire a un problème avec les perspectives. C'est-à-dire que. Quoi que vous allez combattre, ça va faire au moins votre taille. Ah oui, puis évidemment, les cafards attaquent en premier parce que. Parce que c'est comme ça, écoutez, les cafards sont plus rapides. Mais par leur petitesse et. Mais même la musique ne prend pas ça au sérieux. Pas Free Post et puis pas avec le cafard. Sauf que. Vous êtes trop blessé, vous arrivez, vous savez pas pourquoi et paf. Déjà une double riposte. Donc jusque là ça va. Le gaffeur, allez, numéro 5 et numéro 6, dégage. Voilà, c'était le cafard. Ça rapporte quand même pas mal d'XP. Ah super, je peux me soigner. Ça me servira à rien. Sauf cas d'extrême urgence. Et là c'est tant mieux. D'après j'ai 20. Ah oui, putain, le gros cafard. Ça, c'est le boss. Ça, c'est le boss. Voilà. Et genre, un vrai boss. Ouais, soit un sur moi, et sur lui, tu fais défense plus. Bon, au moins, j'ai initiative de la vitesse. Hop, défense plus. C'est fait. Ah ouais, faut que je me défense plus aussi sur Beau. Défense plus sur Beau. 24. C'est quand même pas mal. Donc là, j'ai double défense plus. Putain, mais il me défonce. Et la petite riposte. Oh, super. Cafard. Et là, je vise. Coup fort, coup critique, parfait. 1. Ah d'accord. Donc viser ne sert à rien. Moi qui pensais. Les cafards se réveillent, voilà. Quand je vous ai parlé dans l'épisode 1 que les boss vont entrer dans une seconde phase. C'est ce qu'on vient de voir, une petite bulle de dialogue. Là on a eu le cafard se réveille. C'est-à-dire qu'il est dans une seconde phase où il a techniquement plus de capacité, plus de vie. Enfin moins un peu plus de vie. Et botch niveau 8, parfait. Wow, c'était vraiment le plus gros cafard que j'ai vu depuis Belle Lurette. Mais je n'avais jamais eu à me battre contre eux pour mon déjeuner. Niro. Ils ne devraient finir de manger ça avant de leur retour. Je me le réservais tout entier. Mais puisque vous m'avez sauvé, je vais partager avec vous. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas succulent? Je vous donne la cuisse. Maintenant, petit cochon, retirons cet ennuyeux collier et je vais te faire cuire. Non, la réflexion est lente. Au fait, Guillaume, nous recherchons un animal de compagnie. Quoi? Insinuez-vous que je mangerai du chien ou du chat? Et malotru, pas récemment en tout cas. Ma réflexion est très longue. Voyons ce collier une minute. Botch examine le collier. Suzy est écrit dessus. Oh non, ce cochon, c'est Suzy.
Ah, c'est l'animal de compagnie de Mina. Et il le sphère juste à temps, je crois. Waouh, Ron nous en a trop aperçu à temps. Zut, ah, quel dommage. Ah, je pourrais pas avoir juste un morceau de cuisse. Non. Butch met le cochon dans sa poche. Lol. Eh bien, Mina sera si heureuse. Elle me donnera peut-être un baiser. Mon pote, courons à la maison. Et Niron le laisse là. J'ai si faim. J'ai faim, donnez-moi à bouffer, bordel de merde. Et nous allons donc finir cette petite quête. Je crois qu'après, il y a une petite cinématique. Et on va s'arrêter là, parce que ça fait bientôt 50 minutes. Pour moi, en tout cas. Et ce qui est bien, c'est que soit on peut, si vous n'avez pas fait l'entièreté du donjon, vous pouvez le refaire en montant tout en haut. Et on n'a pas besoin de faire tout l'aller-retour, on a juste à aller à droite. Et magie incroyable, on est de l'autre côté. Et oui, c'est même incroyable, je serais tenté de dire. Du coup, je vais juste passer les 30 secondes pour retourner au village. Alors, le vieux qui est vieux, il est là, parfait. Ancien, c'est fait, nous avons trouvé Suzy. Tiens, regarde, c'est le cochon. Suzy. Wink, 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 je ferai pas le cochon. Il est content. Wink, wink. Suzy est si propre. Vous l'avez lavé? Quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Je suis si heureuse que vous soyez revenu à temps. Attends, pourquoi? Et on repart pour Ventia. Cassez-toi. J'apprécie vraiment ce que vous avez fait. Venez donc nous rendre visite à Ventia. Au revoir, tout le monde. Et elle se casse. Waldo. Mais c'est pas juste. Je pensais que nous pourrions devenir amis. Pas de minerie. Voilà votre dû. Allez, achetez-vous de la couille. Tu reçois 500 balles. Quand elle pense, il est impossible que Mina aime quelqu'un comme moi. Au moins, nous avons fait notre boulot. Là, pareil, mon pote. T'as quelque chose à me dire, le vieux? Je pense qu'il est temps de vous donner un meilleur travail. Ouais, vous allez récurer les chiottes. Ouais, c'est bien ça, récurer les chiottes. Ouais. Waouh, je suis crevé. Ah, de l'oreille à côté. On va se reposer dans votre chambre. Oui, non. Ah, c'est les choix que. Ah, pas mal ça. Eh bien, je pense que nous allons dire oui. Pour avoir la cinématique d'après. Et donc, nous laisser son petit cliffhanger. Ah, voilà. Bonne nuit. Ouais, qui c'est? Oui, c'est pourquoi? Quoi? Du travail? Oh, rentrez, je vous en prie. Je vois... Si vous voulez que je cambriole cette maison? Eh bien, oui. Je veux que tu me rapportes le trésor qu'il m'a volé. Crois-tu mon histoire? Je fais des sympas. Je comprends et je vous crois. Je vais vous ramener votre trésor, la cagoule magique. Oh, merci. Peux-tu y aller tout de suite? Il n'y a pas de raison que de le réveiller. Ah, depuis notre enfance, j'ai toujours été le meilleur lorsqu'il s'agissait de voler quelque chose. Et c'est tout. Et voilà ce qui se passe. Et nous sommes... Alors, je ne vais pas vous abandonner maintenant parce que je ne peux pas sauvegarder. Du coup, je vais aller sauvegarder si je peux. Ce serait bien.
Ah ouais, normalement je peux sauvegarder. Allez. Ah non, la sauvegarde m'est impossible. Non, personne n'est autorisé à entrer ou à sortir tant que le voleur n'aura pas été pris. Bon, ça va durer un petit peu plus longtemps alors, c'est un peu drame. Ah non, tu ne peux pas passer. Personne n'est peur qu'un voleur s'introduise dans la maison de Trout. Mais je n'arrive pas à croire que le voleur soit Butch. Ah oui, c'est vrai. Donc là, nous allons pouvoir aller dans un endroit qui nous était impossible d'aller parce qu'il y avait deux personnes qui se draguaient honteusement. Alors, la maison... Ah. Oh, excuse-moi. Eh, madame. Eh, mademoiselle. Mademoiselle... Non, d'accord. Eh, mademoiselle, reviens. Voilà, cet endroit-là que nous ne pouvons pas accéder avant. Ici, on a une petite église, de style église. Ici, nous avons une personne. Je suis désolé, Lieu. Je suis celui qui a demandé à Butch de s'introduire chez Trout. C'est ma faute si Butch est traité comme un vaurien. S'il te plaît, Lieu, sauve Butch. Et donc, nous allons nous introduire dans la maison. Hein? La maison. Oui, bonjour. Monsieur. Le maître regrette vraiment d'avoir demandé à Butch de faire ce travail. Mais la vérité est que Trout a eu tort de voler le trésor du maître. C'était pas là où je devais aller alors. Certain que c'était pas là. Peut-être un petit peu là. Ah oui, c'est la maison là-haut. Est-ce que c'est la grosse maison Ouais, c'est la grosse maison juste en bas. Je redécouvre en même temps parce que je me suis arrêté ici, en fait. Juste là. Tu es Lieu. Ton ami Butch a volé le trésor de Trout. Je vais le capturer, je vais être en prison. Et si tu vois Butch, répète-lui ce que je t'ai dit. Wesh. Non. Et du coup, je fais quoi? Parce qu'il faut que je m'échappe. Ah oui, je crois qu'il faut que je m'échappe. Et alors, pour m'échapper. Alors là, pour m'échapper, je ne sais plus. Et toi, tu n'as pas vu Butch? C'est chiant de le voir finalement, peut-être qu'il est réellement. Ouais, bah calme-toi, mec. Wesh. Eh. Hey. Non. Ça, c'est des servantes. Ça, c'est quelque chose. Là, il y a un truc noir. C'est une salle d'eau. Ok. Là, j'ai fait le tour. Ok. Donc là, mon but, c'est de sortir du village. Mais alors, comment sortir du village? Ah. Il y a un truc que j'ai oublié sûrement. Il y a sûrement un truc que j'ai oublié. À moins qu'il faut que je revienne dans mes pas. Ça se trouve, j'ai dû activer un dialogue. Peut-être. Gagné. Je suis désolé, Ryu. On est vraiment dans le pétrin maintenant. Et crois-tu que j'ai volé quelque chose? Non. Oh, merci, Ryu. Ça doit avoir peut-être que ça a une influence sur mes prochains choix. Sûrement. Je savais bien que toi tu me croirais. Voici ce qui s'est réellement passé. J'aime les interventions, Irène. J'avais pour tâche de retrouver la Kigoune magique. Et je n'avais pas l'intention de me prendre autre chose. Je pensais que ça devrait appartenir à Akil le Gore et que Trout lui avait volé. J'allais rapporter ce qui avait été volé, donc ça ne pouvait être mal. J'étais en train de penser à ça quand j'essayais d'ouvrir la porte de l'entrepôt quand c'est arrivé. Oh, excusez-moi. J'ai regardé dans l'entrepôt. Il était vide, une fille que je venais de voir avait tout pris. Et bien sûr, y compris la cagoule magique. Je n'avais plus d'autre choix que de m'enfuir, mais... Et c'est comme ça que j'ai été suspecté. Nous devons retrouver cette fille. Nous devons la retrouver et prouver mon innocence. Nom de Dieu. Attends, quelqu'un arrive. Lui. Je vais me cacher dans la poubelle.
Débarrasse-toi d'eux. Où est passé Botch? Tu commets une erreur en te cachant. Je cherche partout. Bien, il semble pas être ici. Mais s'il revient, parle-lui. Il peut pas s'enfuir de la ville. Je le capturerai, quoi qu'il en coûte. Ah oui, puis je sais ce qui va se passer, alors ça c'est marrant. De justesse, qu'allons-nous faire? Ils sont totalement convaincus que je suis coupable. Comment puis-je m'échapper? Voilà, ça c'est le truc un peu marrant mais un peu chiant. Ah, j'ai trouvé, lui. Emmène-moi comme ça. Alors, je demanderai au vieil homme de me cacher. Tu te souviens, Niro des ruines. Les ruines, tu te rappelles? À l'ouest de mon Futanbi. Oui. Je suis désolé, mon pote. Je sais que ce serait dur de monter le mon Futanbi avec cette poubelle. Mais tu es la seule personne sur laquelle je puisse compter. Voilà, et on se trimballe le poubelle man. On peut lui parler? Oh non, on peut pas lui parler. Voilà, poubelle man, c'est cet homme. Non, le bruit n'est pas insupportable. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je travaille une petite poubelle, je peux pas sauvegarder, toujours pas. Tu peux pas quitter la ville. Que portes-tu? Des détritus. Oh, juste des ordures, la poubelle commence à sentir mauvais. Va les jeter avant que les soldats te voient. Je ne sais pas ce qui se passe si je dis la vérité. Non. Peut-être que si vous le faites, vous le saurez. Faites-le, MDR. Bon, du coup, je vais sauvegarder dès que j'arrive vers le vieil homme. Est-ce que je me bats quoi, avec la poubelle? Ah non, je me bats tout seul. Bon, bah, je fuite. Voilà, ça fait plus d'une heure que j'enregistre. Ah là là, vous avez du bonus. Soyez heureux. De toute façon, vu que j'ai accéléré certains trucs, ça se verra pas. Non. Fuite énorme. Énorme et sèche. C'est peut-être un petit peu chiant, hein, je conviens maintenant. Mais un tout petit peu. Et ben on y est. Et ben du coup, hop là. Hey, j'étais allé droit dedans, mon pote. Et ça sentait si mauvais. Et merci. Lui. Ouais, c'est encore vous. Je n'ai rien mangé toute la journée. Je sais pas quelle voie lui faire. Oh non, je vais essayer de trouver de la nourriture. J'espérais que tu me permettrais de me cacher ici. Et écoute notre histoire. Travaille sur Pixel. Java, tu étais suspecté à tort. Et tu veux te cacher ici. Ouais, je compte sur ton aide. Jusqu'à ce que Liu trouve le véritable coupable. Ok, ok. Et en fait, tu tombes à pic. Yes, des cailloux. Le toit est récemment tombé en morceaux et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à le réparer. Tu me prends pour ton assistant? Si tu veux pas que je cafte, tu as intérêt à travailler dur. Je suis capitaliste. On dirait que je n'ai pas le choix à parler. En fait, je préférerais vraiment que vous m'aidiez tous les deux. Mais je pense qu'il est préférable que lui cherche les coupables. C'est vrai. Si nous ne retrouvons pas la véritable voleuse, je dois me cacher pour l'instant de mes jours ici. Tu ne verras jamais une femme voleuse qui ressemble à une chauve-souris. Si tu te renseignes sur une femme suspecte à origine ou à Corsia, tu devrais bien être capable de trouver une piste. Lui, j'ai vraiment une source d'ennui pour toi. Depuis notre enfance, je suis celui qui se laisse toujours entraîner et qui nous met dans l'embarras. S'il te plaît, trouve-la pour moi, mon ami. Ainsi, nous pourrons à nouveau travailler ensemble. Voilà, la musique héroïque qui va disparaître dès que je sors. Ah non. Donc là, petite sauvegarde. Et donc, sur cette magnifique musique et sur ce 1h03, 1h04 même que j'enregistre, nous allons nous quitter. Force de cette deuxième session de Breath of Fire 2, qui aura été un petit peu longue avec
des demi-boss et un vrai boss. Un vrai boss, la vraie boss, c'est le cafard. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez le format de Breath of Fire 2 qui change de Breath of Fire 1, que c'est plus que c'est mieux en fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like, à commenter, si vous avez des petites techniques ou des petits tips à partager sur ce jeu si vous en souvenez. À vous me suivre, à vous abonner à la chaîne si jamais le contenu vous plaît, à regarder un peu ce que je fais d'autre. Et si vous avez Twitter, ben je suis présent aussi, donc je vous invite à me suivre aussi là-bas. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.